Maybe we can take some time. I know we are running late, but some time for questions. And I'll come back, if you allow me, to each of you to ask you for one, two, let's say maximum three priorities, otherwise it's not priorities anymore, to help implement as well as possible this agreement. So question, please. If you can just present yourself upon asking the question. Bonjour, Habek Abdelati, président de la Fondation diplomatique. Vous avez discuté, vous avez réveillé la Chine, parce que quand Napoléon, il a dit en 1816, quand la Chine réveillera, le monde tremblera. Et le ministre Alain Perfit, en 1973, a répété ça. La Chine-Afrique, concurrence fortement France-Afrique. La Chine a fait tout son travail, il a basé tout son travail sur la compréhension et il a utilisé les modèles européens et les modèles américains de la coopération avec l'Afrique. Ma question, c'est que aujourd'hui, quand vous voyez la coopération avec l'Afrique, il faut prendre en considération un engagement moral pour apporter à l'Afrique beaucoup de choses qui concernent l'éducation, qui concernent le social et beaucoup d'engagement, et aussi la sécurité. Je voudrais dire qu'il ne faut pas oublier lors du dernier sommet d'Afrique-Chine, vous avez vu les propos du président Xi Jinping qui a vraiment montré que la Chine ne va pas interférer dans les affaires des pays africains et qui va respecter l'Afrique et travailler en partenariat égal à égal et que la Chine a beaucoup à apprendre de l'Afrique. Que l'Afrique a beaucoup à apprendre de la Chine. Merci beaucoup. Merci. Donc c'est plus une recommandation qu'une question en réalité. Marie-Roger, et puis après je passerai à gauche. Merci. Donc Marie-Roger Bilois, oui, mes questions. Non, moi j'ai des questions. J'en ai même beaucoup, mais je commence par une seule. Ma question s'adresse à M. Zinsou. Donc il y a cette zone de libre-échange continentale donc, qui a été lancée en fanfare. Et avec la résistance du Nigeria, mais pas seulement. Le Nigeria, c'est énorme, non, ça s'est vu. Ma question, c'est qu'il existe sur le continent africain des zones sous-régionales d'intégration, la CEDEAO, la East African Community, la SADC, etc. On voit comment elles cheminent, avec des difficultés, des succès, mais encore beaucoup, beaucoup de difficultés, et que cette intégration déjà au niveau sous-régional reste un objectif à atteindre. Qu'est-ce qui justifiait l'urgence de faire un traité continental avec toutes les tares que l'Afrique rencontre actuellement? Enfin bon, je veux pas, on sait tout la situation de l'Afrique actuellement et que ça reste finalement une vue de l'esprit qu'on puisse faire ce genre de libre circulation des biens, des personnes et tout ce qu'on veut. Et qu'est-ce qui justifiait qu'on veuille le faire là, tout de suite, au niveau continental, alors que l'approche par étapes n'a pas encore montré tous ces résultats, pour simplifier. Merci beaucoup. On va peut-être prendre deux autres questions. Vous, monsieur, oui. Jean-Pierre Cabestan, Jean-Pierre Cabestan de l'Université Baptiste de Hong Kong. Je vais profiter de nos merveilleux interprètes pour parler français. Je suis basé à Hong Kong, mais je m'intéresse beaucoup aux relations Chine-Afrique. J'avais une question qui était évoquée par le Premier ministre de Salenque sur les coopérations triangulaires entre l'Europe, la Chine et l'Afrique. Quand on va sur le terrain, je viens sur le terrain africain depuis 7 ans, on s'aperçoit que les Européens et les Chinois, même les Européens entre eux, sont plus concurrents que partenaires. Et, sauf sur certains projets bien spécifiques,
c'est difficile de dépasser cette concurrence. Et moi, la question que je me pose, c'est la réponse que j'ai eue le plus souvent, c'est que pour les Africains, la concurrence est une bonne chose. L'intérêt des Africains, c'est de mettre justement les Européens, les Chinois, les autres, les Japonais et autres pays émergents, comme la Turquie, en concurrence plutôt que les inciter à coopérer. Alors, j'aimerais savoir quel est l'intérêt, à partir de la question du Premier ministre, pour les Africains de faire en sorte que les partenaires extérieurs coopèrent plutôt qu'ils restent en position de concurrence. Voilà. Merci beaucoup. Je vais reprendre à droite, M. Guigou. Une question générale, puis une question au Premier ministre d'Éthiopie. Ce matin, je ne sais pas si vous avez ressenti la même émotion que celle que j'ai ressentie personnellement pour lorsqu'il y a eu l'exposé des routes de la soie. Il n'y a pas peut-être d'Asiatique ici, mais j'étais très fortement impressionné de voir Chinois, Indiens, Hong Kong, Indonésien, pas Malaisien, 5-6 Asiatiques. Et de quoi parlait-il ? Pour moi, les routes de la soie, c'était l'expansion, la volonté de la Chine de venir vers l'Europe, de faire cette interconnexion par le nord et par le sud, et de s'asseoir et de concurrencer l'Amérique. Non, ce matin, on a assisté à une leçon d'aménagement du territoire entre pays voisins. Une leçon d'aménagement du territoire entre pays voisins au sein d'une communauté, l'ASEAN. J'ai trouvé ça formidable. Je me disais, mon Dieu, nous sommes à des centaines de kilomètres, des milliers. Quel est le jour où des Méditerranéens, des Africains et des Européens se mettront autour d'une table pour aménager la Méditerranée, aménager les grandes dorsales qui vont descendre de l'Afrique du Nord vers l'Afrique du Sud. Votre question, s'il vous plaît. Donc, c'est très bien. Et cette ASEAN, donc, fonctionne. Mais à la base, Isabelle a dit juste un mot, c'est qu'ils ont entre eux, alors qu'ils se détestaient, Chinois et pays du Sud-Est asiatique, maintenant ils sont au sein de l'ASEAN, et la Chine a noyauté l'ASEAN. Mais ils acceptent. Et ils ont mis en place quatre outils très forts que Cotonou, nous devons collectivement faire en sorte qu'on ne se limite pas à une zone de libre-échange, mais une redistribution d'appareils de production. Et la question au Premier ministre, c'est sur les zones économiques spéciales. Tout le monde est étourdi par le bond de la Chine en 30 ans, 1980, un pays rural, 2010, 30 ans après, la plus grande puissance manufacturière du monde. Mais qu'ont-ils mis en place ? Ils ont mis en place des grands clusters, des grandes zones économiques spéciales, dont la plus grande fait 256 km². Ils ont privilégié. Donc, question, Monsieur le Premier ministre, les Chinois arrivent avec des zones économiques spéciales en Éthiopie et ils les développent. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, comment ça fonctionne ? Et est-ce que les Européens ont des solutions à faire ou des offres à faire aux chefs d'État africains sur ce sujet ? Merci beaucoup. Monsieur, oui, très rapidement. Oui, bonjour. Une question, oui, s'il vous plaît. Pascal Hérault de l'Opinion, du quotidien L'Opinion. J'ai une question sur les négociations post-Cotonou. On a autour de la table des gens, un ministre marocain, deux anciens premiers ministres. Il va y avoir une négociation qui s'est ouverte symboliquement à New York et qui va durer 2 ans, avec des zones qui négocient pas en même temps le même partenariat avec l'Europe, alors qu'ils sont en train de monter une même zone de libre-échange, avec un partenariat européen qui est de plus en plus contesté en Afrique, des conditionnalités politiques qui sont remises en cause en permanence par les dirigeants. Donc je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils attendent de cette négociation, et peut-être que Lionel Zinsou peut nous dire aussi du côté français, parce qu'il a aussi la double casquette, comment on peut arriver à quelque chose de constructif. Merci beaucoup. On va peut-être laisser nos intervenants prendre cette première série de questions. Lionel, est-ce que tu veux commencer sur tes deux questions, finalement, les traités sous-régionaux, est-ce que ça sert encore à quelque chose et pourquoi est-ce qu'on saute l'étape ?
Et puis la dernière sur Cotonou. Je crois que c'est sévère de dire que ça ne fonctionne pas au niveau sous-régional. Je pense que le niveau sous-régional connaît des progrès significatifs. Autour de l'Afrique du Sud pour la SADC, encore une fois, je disais tout à l'heure que l'ECA était la zone d'intégration la plus forte. Et là, avec des progrès d'infrastructures très importants, là, les grands corridors de l'Afrique de l'Est et des grands lacs. Je crois que l'UMOA dans l'Afrique de l'Ouest a des politiques de convergence, parce que, comme il a été dit tout à l'heure par notre premier orateur, c'est pas parce qu'il y a des accords de libre-échange qu'il y a des politiques de convergence. Mais dans l'UMOA, il y a des politiques de convergence qui donnent des résultats peut-être supérieurs même à la convergence de l'Union européenne. C'est-à-dire que vous regardez les taux d'inflation, vous regardez le contrôle des déficits budgétaires, vous regardez les taux de croissance, vous avez une convergence, vous avez des mesures d'accompagnement, vous avez des politiques, vous avez des disciplines. Quant à la CEDEAO, c'est un espoir encore plus grand, évidemment. Mais c'est très récent. Vous ne pouvez pas faire un bilan alors que ça fait 2 ans qu'on a mis en œuvre un tarif extérieur commun. 2 ans. Vous voyez ? Et sachant qu'on part de situations dans lesquelles nos économies étaient spécialisées. Parce qu'il va falloir effectivement déployer un appareil productif différent. Il va falloir réinvestir beaucoup. Mais comment voulez-vous, avec le meilleur effort du monde, que si notre principale production nationale, c'est le coton, et celle du Niger, c'est l'uranium, que nous nous échangeons du coton contre de l'uranium? On a été spécialisé pour les besoins d'une autre division du travail. Sur le Nigeria, l'expérience béninoise, l'expérience camerounaise, l'expérience nigérienne, c'est que les statistiques douanières du Nigeria sont un peu uniques en leur genre. Et nous, on est obligés dans nos comptes nationaux d'admettre qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'échanges le long des frontières du Nigeria. On est beaucoup plus en libre-échange que ce que les statistiques douanières pourraient donner à penser. Il y a quand même un commerce international informel. Donc le Nigeria n'est pas complètement hors du système. Il est même structurant pour nos économies, y compris dans les secteurs sur lesquels il est très protectionniste. Mais le Nigeria est très protectionniste. C'est un engagement politique assez fondamental. Je ne suis pas sûr que ce soit un raisonnement économique adapté à notre temps, mais c'est des réactions. Les grands groupes nigérians ont quand même été créés grâce à des protections très fortes. Donc le Nigeria est un peu une exception. Mais dans la CEDEAO, le Nigeria commence à jouer le jeu. Donc je trouve qu'on va plus vite, par exemple, que la construction européenne. Donc vous dites... Il ne faut pas passer à l'échelle internationale, vu qu'on piétine à l'échelle sous-régionale. On ne piétine pas du tout. Prenez la mesure du temps. Entre la communauté charbon-acier et aujourd'hui, il y a eu de très nombreuses étapes. Et par ailleurs, on demande autre chose à un échange international de la dimension du continent. On lui demande d'apporter d'autres éléments d'échelle et de volume. C'est une chose de faire converger les politiques entre le Togo et le Bénin, si vous voulez, puis c'est autre chose qu'on investisse au Togo ou au Bénin, mais pour un marché intégré. Et encore une fois, il n'y a pas que les marchandises, il y a les services. Nous sommes des économies tertiaires. Regardez tout ce que ça peut apporter d'avoir des services tertiaires, des hubs financiers, des développements qui sont absolument nécessaires en matière d'assurance, en matière de fintech. Tout ça a une très, très grande dynamique. Nous sommes des économies tertiaires. Nous ne sommes pas des producteurs d'or, de pétrole et de cacao. Ça, c'est la minorité. Nous sommes des producteurs de transport, des producteurs de commerce, nous sommes des producteurs de services. Et ça aussi, il faut que vous le preniez en compte. Mais ça n'a pas des frontières du genre l'UMOA. Ça a besoin de beaucoup plus de dimensions. Sur la triangulation, je crois qu'il y a des entreprises, il n'y a pas que des États. Que les États veuillent faire de la triangulation, oui, mais pourquoi voulez-vous qu'une entreprise aille chercher son concurrent chinois le plus dynamique de façon à faire une offre commune sur un marché en Afrique?
c'est décentralisé, ces décisions. Donc, c'est un peu difficile. Dans le secteur financier, je crois qu'on fait un tout petit peu mieux parce que vous commencez à avoir des fonds triangulaires qui commencent à marcher, soit avec la Chine et l'Europe, soit avec les pays du Golfe et l'Europe. Il faut laisser à d'autres la réponse sur la renégociation des accords de Cotonou. Je crois que c'est un problème européen. Je crois que les Africains vont de plus en plus considérer que leur sujet, c'est plus tellement les priorités d'accès au marché européen, c'est leur marché entre eux. Une chose qui était sous-jacente à beaucoup à vos questions ou à nos interventions, à laquelle il faut faire attention. L'Afrique a besoin, jusqu'à un certain point, du reste du monde, mais assez faible. Alors que le discours dominant, c'est « il va falloir qu'on vous aide, il va falloir qu'on vous finance, il va falloir qu'on investisse, il va falloir qu'on change votre appareil de production ». Non mais attendez. L'investissement étranger en Afrique, c'est 4% du PIB. L'investissement total, comme dans tous les continents en émergence, est assez élevé. C'est 25% du PIB du continent, dont 5% du PIB est étranger. Et ce qu'il y a de plus en plus intéressant, c'est quand vous regardez la composition de l'investissement étranger en Afrique, les fameux FDI, les flux de financiers directs, ce sont les entreprises africaines investissant en Afrique, c'est-à-dire ce sont les Marocains, les Sud-Africains, les Nigérians investissant ailleurs en Afrique, qui sont la composante la plus dynamique. Donc les flux directs d'investissement étrangers en Afrique comportent les investissements de l'Afrique sur l'Afrique. C'est ça la partie croissante. Donc il faut sortir complètement de l'idée que on va nous développer. Le discours le plus singulier étant, comme vous êtes là à attendre votre ruée sur l'Europe, ruée de la misère, on va vous développer pour que vous restiez chez vous. Mais ça se saurait si on savait nous développer. On est sûr que... Je vais faire juste la politique populiste, là. On est sûr qu'on sait nous sous-développer. Ça, c'est historiquement fait. Mais nous développer... Mais la croissance africaine aujourd'hui, la croissance éthiopienne, elle était à deux chiffres pendant tout le temps du mandat du Premier ministre Desalegn. Il y a donc des moyens et des spécificités de nos économies qui font qu'elles sont de plus en plus endogènes. Si le regard de l'Europe, au moment de s'asseoir à la table des renouvellements des accords, c'est « je vais vous apporter la solution », mais non, pas d'un instant. Je ne veux pas dire qu'on n'en a pas besoin, mais il faut bien comprendre que l'esprit public africain a complètement changé. On ne recevra pas des solutions compatissantes et on ne va pas nous donner des droits et privilèges parce qu'on est pauvre et malade. Nous ne sommes pas des pays avancés qui auraient mal tourné. Nous ne sommes pas des pays avancés qui ne sauraient pas faire des progrès. Nous sommes des pays qui vont forcément avoir des modèles, mais complètement différents. Vous voyez, pour l'instant, je ne crois pas que ce soit l'esprit des négociateurs. Donc, je ne peux pas vous dire comment ça va se passer, mais à mon avis, ça va être intéressant et tendu. Mr. Prime Minister, do you want to complete, namely, do you like to have many competitors? I think I'm... My opinion was not to stifle competition. Look at the China-Africa cooperation. If you see, China said, I am going to assign $60 billion to the African continent. And when you come to Europe, again, Europe said €40 billion for African. So what does that mean? I think two of them are doing the same thing on the same Africa. But Europe said connectivity, and China said Belt and Road. The names are different. But the whole idea is the same. Building infrastructure, connect
countries and help competitiveness. That was the whole idea. So why don't we come together and harness this potential in a condensed, cooperative manner so that we maximize and optimize the benefit that we secure from this support we are getting. Now Africa is no more a humanitarian case. Africa has become now a trading and investment case. So I think that has shifted already. So if that's the case, then I think the thinking has to change that a conducive environment for competition has to be created. In Africa, we lack that conducive environment for competition to take place. That support should be coordinated so that both China and Europe can harness. Of course, Africa also should get the benefit out of this cooperation. That's what I was mentioning about cooperation. Yeah, for example, if we talk about creating jobs, look, now the European companies are not forthcoming. By the way, the question which was asked, the economic zones in Ethiopia, industrial parks in Ethiopia, is not built by Chinese. It is the money which we got from the financial market, you know, that we are investing on industrial parks. It is investors coming into that industrial park. If you don't create nests, birds will not come in. So you have to create nests in order to birds to come in and settle there. So we are creating those nests. And now Chinese are the first birds coming, flying very quickly. But Europeans are lagging behind. So what's the problem? The problem is risk factor. Most of the European companies are small and medium companies. And they fear risk. So the EU has to go for de-risking mechanism for European companies to invest in Africa in order to create the highly needed job in Africa. So that's what we say. When assigning money, that de-risking factor is very essential to invest in Africa, and we do not want to put all our eggs in one basket. We want diversity. We want Europeans also to come to Africa and invest. But we cannot tell them to come. The first comers, they come. We can't oppose them not to come in. But we have to be very careful in the policy matters, in domestic policies, that helps the competition not to be stifled. That's the whole thing which I was mentioning. So I think now not only Chinese, but the Indians, the Turkish, are coming to Africa, especially to Ethiopia. So we have Moroccans coming. We have Egyptians coming. And we have some Kenyans coming in to invest in Ethiopia. So it's open for all, but we have to de-risk those fears that European companies are now. So I think this is the whole issue which I just wanted to mention. Thank you very much. So I think we are now going to take only three questions, maximum of four. Please, question only, and very short, if you want to leave our panelists some time to answer. Thank you. Okay, here then, because it seems that we have forgotten the one behind. Thank you. And yes, who else? Yeah, yeah. It's very difficult. Oui. On y va. Okay. Enfin, merci. C'est bon. Merci en tout cas pour les orateurs pour leur optimisme raisonné sur les perspectives africaines. Moi, je voudrais poser enfin une question simple relative évidemment à la zone de libre-échange continentale. On a discuté d'un certain nombre de conditions de prérequis enfin, pour sa réussite. Aujourd'hui, nous sommes face à un projet évidemment ambitieux et qui est en même temps d'une nouvelle génération. En conséquence, il y a évidemment des politiques d'accompagnement nécessaires à prendre. Aujourd'hui, il est difficile de réussir une zone de libre-échange ou un progrès dans la zone de libre-échange parce que la finalité n'est pas tout simplement de développer le commerce, de lever les barrières douanières, tarifaires, mais aussi d'aller vers une convergence de niveaux de vie, une convergence de normes. Et donc, enfin, le traitement, premièrement, de la libéralisation du secteur des services est une question fondamentale. Or, sur cette question, on n'avance pas beaucoup, enfin, au niveau de l'Afrique.
à la fois sur les questions du droit d'établissement, notamment. Elle nécessite aussi la question à traiter, c'est celle des propriétés intellectuelles, c'est celle de la question de la concurrence pour le rapprochement des entreprises, c'est évidemment du traitement de l'investissement, à la fois le côté enfin, traitement national pour les pays africains, et le droit enfin, de sortir évidemment enfin, les revenus, etc. Donc ce sont un ensemble de dossiers fondamentaux qui font partie de l'agenda multilatéral, mais qui jusqu'à présent dans l'agenda africain ne sont pas encore suffisamment appropriés. Et il faudrait peut-être faire un appel aux instances de réflexion et aux décideurs pour s'approprier ces questions parce qu'elles sont extrêmement nécessaires, fondamentales pour réunir une des conditions de la zone de libre-échange. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être donner la parole à deux de nos intervenants qui sont malheureusement vraiment obligés de partir afin qu'ils puissent nous donner leur famous last word. Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre. Monsieur le Premier ministre. Actually, I have said whatever I have to say. That's very conducive for this forum. First of all, I would like to thank very much the World Policy Conference to bring about this gathering. And the whole thing is now Africa is changing, is moving forward. And I think the African narrative has to be properly set, that we are taking our own initiatives and we are taking also responsibilities, but we need support. We need support because there are backlogs that has to be addressed. So I think this is the main issue why this kind of policy conference is very important to understand the true face of Africa. There are challenges, but there is huge opportunity in Africa. And this is the main stake that we have to take from this discussion. Thank you. Thank you very much, Mr. Prime Minister. And thank you very much for your participation. Monsieur le Ministre. Merci. Je voulais juste dire une dernière chose avant de partir, puisque je suis retenu à Casablanca. Simplement dire que l'Afrique a une particularité, c'est qu'elle vit en même temps trois révolutions majeures, la révolution agricole, la révolution industrielle, évidemment la révolution numérique. Et que les trois arrivant en même temps, il est plus difficile de serrer les problèmes. Je crois qu'on va y arriver. Et pour répondre à la question de M. Hérault sur la difficulté de la négociation, je crois que ça ne peut pas être plus compliqué que la négociation du Brexit. Donc voilà, sur une note d'optimisme, je vous remercie. Bon. Merci beaucoup, M. le ministre. Thank you. Rez Razi El Mostafa, OCP Policy Center. I have just two remarks. I mean, while discussing this issue of tripartite relationship or China-Africa relationship, I guess that, well, I used to work on this issue during the last 20 years, and maybe we should dissociate OEDA relationship with business relationship, because modestly, I attend all those forums. I mean, all the editions of FOCAC, of TICAD, of GWAFEC, and YAES. And I could say that our head of states, when they are here, they are defending this cooperation. We experts, when we are debating, we are defending the autonomy of decision. So there is this dichotomy that should be first resolved between national experts and policymakers in African states. So before talking to China or Europe or the second point, you were talking about, Cotonou. I will talk about the declaration of Banjul. Thanks to God that China and Prime Minister Modi in India resist against this, deconstruct this formula, and we are no more manipulated by the representativity of eight countries to represent the whole Africa. Today, I guess even Japan, during the last edition of ministerial meetings, they are getting back to talk on bilateral basis with African countries. And I expect from
Minister reaction on that, because I know that he was involved during his, this. Thank you. Thank you very much, Christine, very quickly, and thank you for your patience. Pardon, alors, merci. Très, très rapidement, merci. Merci. J'allais partir moi aussi. Merci beaucoup pour l'ensemble des interventions et questions. La question de l'intégration de l'Afrique n'est pas une chose nouvelle. On est passé par des options politiques, économiques d'abord, avec le plan de Lagos, ça fait longtemps, puis après une tentative politique avec les communautés régionales dont parlait Marie-Roger. Aujourd'hui, bon, ce traité de libre-échange. Alors, au fond, est-ce qu'on peut imaginer qu'on aille, avec toutes les qualités et toutes les opportunités qui ont été bien décrites, et c'est ça l'essentiel, mais est-ce qu'on peut imaginer que ce traité de libre-échange fonctionnera s'il n'y a pas, justement, une persévérance, un approfondissement de l'unité au niveau politique ? Et sinon au niveau politique, mais au niveau de la convergence dont on parlait tout à l'heure, notamment en matière de certain nombre de pratiques démocratiques et d'état de droit. Je crois que le Premier ministre qui est parti disait qu'il faut que l'Union européenne, pour limiter les risques, trouve des nouvelles règles. Mais les nouvelles règles, si elles ne sont pas appliquées par des justices qui puissent justement appliquer des règles de protection, ça pose des questions. Donc je pense que la question que je posais, ou en tout cas la préoccupation que j'ai, c'est comment on va gérer, comment les Africains entendent gérer de façon parallèle à la fois, bien sûr, la mise en œuvre de ce traité et également donc la poursuite de cette, j'allais dire, intégration juridico-institutionnelle et voire politique sur la base de valeurs et de règles bien précises. Deuxièmement, sur le partenariat, je suis absolument d'accord. Les partenariats stratégiques qui ont fleuri pendant toutes ces 10 années montrent bien qu'aujourd'hui, l'Afrique est au centre des intérêts de la communauté internationale, mais que, justement, il faudra bien certainement s'en servir pour, j'allais dire, les accords de Cotonou et accompagner si des besoins est, mais ce n'est pas la priorité, je pense, la mise en œuvre de ce traité de libre-échange. Merci. Merci beaucoup. Je crois vraiment qu'il faut qu'on arrête, parce que sinon, il n'y aura plus personne pour répondre, donc vous allez être encore plus désappointé. Yuri, do you want to both maybe answer to Christine's last question, which is a very huge one, so maybe very shortly, and then give your 2-3 priorities for implementing successfully this agreement? Thank you. Yeah, I'll speak in English since it's easier for me. I think we have to be careful with this integration of everything at all costs. What we learn from the European experiment is that you can go too far, too fast, etc. At the end of the day, Africa is an extraordinarily diverse group of countries with very different cultures, etc. And so my recommendation is you need to have free trade, you need to have more trade. A good vehicle to do that is a free trade agreement, okay? And you don't necessarily have to go to every other layer, okay? And we just had a session on Europe where we talked about the sovereign obstacle. The fact that you try to go much further than the politics and the national cultures and national independence allows. So, no, I don't think you need political integration in order to have a working free trade agreement. On the contrary, I think the free trade agreement will work better if you allow countries to do what they have to do in their own context that is not directly associated with trade. On the priorities, I'm not going to invent new priorities just for the sake of the conclusion. The priority I've said already is for the trade to work, you need strong domestic conditions. And everybody on the panel, in their own way, has said the same thing. So that's the top priority.
And then I would say, of course, you know, the second priority is Nigeria has to be part of it. Thank you very much. Lionel. Oui, je crois que c'est une question assez légitime de demander s'il faut du fédéralisme pour faire réussir le traité. Je crois que la réponse de l'économiste est celle-là. On n'a pas besoin de fédéralisme politique pour faire qu'une union douanière, un marché unique fonctionne. Mais il y a une histoire, il y a une culture, il y a le panafricanisme est une des idéologies très fortes. Ça a accompagné toute la réflexion sur doit-on décoloniser en bloc ou balkaniser. Il y a eu toute une réflexion autour de ça et évidemment elle est quand même parallèle à l'évolution économique. Donc je crois qu'il y a des tendances de long terme à garder la pertinence d'une réflexion panafricaine. Plus simple probablement sur le plan culturel que sur le plan institutionnel. Mais il y a cette aspiration de l'Afrique à être regroupée en ensemble plus grand et être une. Et la diversité ne change rien. Parce que la diversité, elle est à l'intérieur de chacun de nos pays. Hein. Elle est d'un pays à l'autre, mais elle est déjà extraordinaire dans chacun de nos pays, ça ne change rien à cette espèce d'aspiration à être une Afrique. Et donc, c'est compréhensible que la question se pose et que ça redevienne un mythe pour la jeunesse. Dépouillons-nous de tout ce qui est résidu de la colonisation, compris sur le plan monétaire, enfin, du plan symbolique. On a une aspiration à être une entité. Ça, je crois que c'est distinct du succès du libre-échange. Mais le libre-échange ne fera que accélérer cette prise de position. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est d'abord cette idée de zone continentale, c'est d'abord un saut dans l'imaginaire. C'est un imaginaire positif. On se réapproprie le continent et sa dynamique. Ça, c'est le shifting que disait le Premier ministre. Nous ne sommes pas une cause humanitaire. On est juste un sujet de l'histoire. C'est tout ça qui se joue dans une question comme celle-là. Merci beaucoup, Mr. President. Last word. Okay. I only have one priority, in fact. And as much as I, you know, agree with what Prime Minister Zanzu said, that let's not look too much outside Africa. The solution is with us. Stops us from doing free trade and investing, etc. There is even alluding to the fact, you did not, but the Prime Minister Desalegn did, that there is a savings glut, you know, in the north, so we should have no problems accessing financing. Our experience as a company that has invested about $8 billion over the past 8 years in production capabilities in Africa for the African market, but tried to finance this on the international market. We raised the $3 billion bond issue, dollar-denominated bond issue, for example, is that there is a priority, is that this... We have to recognize that there are distortions inherent distortions and biases into this financing, this complementarity. One of them that we have to address, one of them, I will cite only one of them, is a distortion in favor of extractive models of investments. You know, we tried to raise this, and we were fairly successful, but we had to explain that the risks associated of financing in Africa production capabilities for Africa were not what was regarded elsewhere, and the same financing conditions for extractive industries were much better. So unless we recognize this and deconstruct
these distortions that exist not just in financing, but also in cooperation, international cooperation mechanisms, then we're only paying lip service. I'm convinced of that, to this integration and this wish for integration. Let's recognize that Africans are much attached to their natural resources as any other populations. And they will follow them if they go to Europe, even at the expense of their own lives. I will stop with this. So I think you can join me in thanking our last panelist, Stéphane Thérien.